La plaine de Balagne offre une scène extraordinaire pour écouter L'île joyeuse de Debussy. La pianiste sud-coréenne Karam Kim a beau avoir déjà joué à 5500 mètres d'altitude dans l'Himalaya, elle est impressionnée pour son premier concert en Corse. J'ai jamais imaginé dans ma vie de faire un concert en plein air comme ça. Surtout, on peut regarder aussi les montagnes et la mer en même temps, ce qui était vraiment impressionnant. Que j'ai vraiment senti un moment de partager la joie et la liberté. Voilà, c'était vraiment super, super. Accompagnée par le clarinettiste Dominique Vidal, l'artiste n'est pas la seule séduite par ce concert en pleine nature. 150 personnes sont venues assister au spectacle dans ce champ d'olivier. Cette jeune femme, elle est extraordinaire. Elle a un doigté formidable. Chapeau à des gens comme ça. On imagine des choses. Moi, sur la musique de Petit, j'imaginais bien un petit lézard qui galopait le long des remparts de Calvi. Voilà. 6000 personnes au total sont attendues aux rencontres de Calenzahn. Une partie de la recette pour les attirer, 10 concerts gratuits comme celui-ci. La musique, elle est accessible à tous et on donne les moyens aux gens d'aller vers elle. Parce que c'est vrai que le côté financier est important. Il y a des familles qui n'ont pas les moyens d'écouter de la musique. Donc on essaie d'aller vers eux. Fin des rencontres mercredi, prix des concerts de 0 à 25 euros.